Coucou toi, si tu aimes ma chaîne YouTube, alors n'hésite pas à t'abonner en cliquant sur la petite cloche. T'as envie d'une dédicace à la fin de la vidéo? C'est super simple. Mets hashtag dédicace en commentaire de cette vidéo et tu la verras dans la prochaine. Hey tout le monde, on se retrouve sur une nouvelle vidéo swap spéciale rentrée scolaire. Coucou Alizé, coucou Sindel, et on va commencer avec le swap de rentrée scolaire. C'est comme ça qu'on démarre la rentrée scolaire. Avec qui tu fais ton swap, Sindel? Swan Cooking Magic. Coucou Swanette, on te fait des gros bisous et on te remercie du coup d'avoir accepté de faire le swap avec nous, puisque c'est nous qui avons demandé. Voilà, après avoir vu ton swap. Après avoir vu ton swap de l'année dernière, on s'est dit que peut-être on ferait un petit swap avec toi, histoire de. Tenter l'expérience. On va commencer, Sindel. Alors, on l'a déjà pré-ouvert. Alizé nous assiste parce qu'elle voulait savoir comment on faisait un swap. Donc, vas-y, Sindel, ouvre-le. Mais Alizé va t'assister quand même. Ok, allez, c'est parti. Montre-le. Attends. Là, là, c'est le menu. Waouh. Soit dans rentrée scolaire. Ok, oui. Tu nous le montres avec comme ça? Un petit cœur. Waouh, dis et donc. Et un petit cœur. Et bien, ça annonce la couleur. Vas-y, alors montre-nous, ouvre ton petit menu. Waouh. Allez, à l'intérieur, il y a une carte. Coucou Sindel, j'espère que mon swap va te plaire et que tu vas bien. Moi, ça va. Bref, bon déballage swap. Nathalie, Swan, je pense. Merci à toi et bonne rentrée aussi à toi. Et encore merci. Je viens de remarquer que, par exemple, elle a mis les bonnes lettres au mot, par exemple. Bah si... oui. Swan a construit le menu avec les initiales de Sindel. Voilà. Alors allez-y, ouvrez toutes les deux. Alors, l'art et la manière d'ouvrir une enveloppe. Les filles, ce que je vous propose, moi, avec cette petite photo, je vais lire. En espérant que ce swap vous apporte autant de plaisir que nous en avons eu à le faire, plein de bisous, Swan. Très bonne rentrée, Nathalie. Alors, ce que je propose, Sindel, toi, tu as beaucoup de dédicaces comme ça de Swan, parce que tu as eu des correspondances, parce que tu as gagné des choses avec Swan, tout ça. Ce que je propose, comme il n'est pas directement... destiné à toi, mais à toutes les deux, ce mot-là, je propose de donner cette dédicace à Alizé, puisque toi, tu as déjà ton mur de dédicace à la maison avec la carte de Swan. Oui, elle avait avec Bigami, tout à fait. Donc, comme ça, tu auras la carte de Swan si tu veux commencer un mur de dédicace à la maison. Alors, on commence le menu, du coup, vous allez le lire toutes les deux, c'est ça? Oui. Alors, le numéro 1, c'est quoi? Si brillant, si joli. Ok, allez, à la recherche du paquet numéro 1. Du coup, on va voir les CD. Chercher le numéro 1. Soit S, soit 1. Alors, comment c'est fait en fait? Ah oui, alors c'est peut-être le S, t'as raison, Sindel. Ouais. C'est peut-être un S qu'il faut chercher, je sais pas du tout. Ah oui, il faut chercher la lettre. D'accord. Ah, ça. D'accord. Attends, là, un L. C'est carrément ingénieux. L. Alors du coup, on a laissé les cartons. D'accord, on a tout laissé dans le carton. On aurait pu enlever les cadeaux du carton. Alors attends, je vais me rapprocher et baisser ça parce que du coup... J'adore qu'on a fait la manière. Alors le papier cadeau, c'est carrément dans le thème aussi, hein, du coup. C'est trop mignon, il y a des petits autocollants, il y a des petites lettres strass. Allez, premier cadeau avec la lettre S. Si brillant et je sais plus quoi. Si brillant et... Si brillant et si joli. J'essaie de garder la lettre. Boum! Ah, t'as un crayon. Alors montre-nous, tu as eu des tubes de colle pailletée. Oh là là, c'est trop beau. Trop beau. Et en deuxième, dans ce petit paquet, tu as eu un arc-en-ciel. Et c'est quoi? Ah, c'est un paille-crayon. Et il y a une fille dans la classe, elle avait une licorne. Waouh, super. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Swan.
Allez, on continue. Il n'y a pas que les maths dans la vie. D'accord, il n'y a pas que les maths dans la vie pour la lettre Y, du coup, c'est ça? Oui. On cherche les filles. Waouh, j'ai l'impression qu'il y a des petites confettis en papier. C'est quoi? Hop là, doucement. Oh là 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 là. Vous savez quoi? Je l'ai mis par terre au fur et à mesure. On a mis tous ces paquets par terre et il y a encore tout plein de confettis. Ok, il n'y a pas que les maths dans la vie, donc on va voir ce que ça te réserve comme surprise. Qu'est-ce que c'est que ça? Hein? Élément dans la nature et animaux. J'adore les mandalas. Oh ouais, chouette. Tu peux le voir de plus près? Il a l'air super classe. Je ne veux jamais que les prennent, les siens. Ça fait c'est quoi? Vrai. C'est vrai, chaque fois. Donc voilà dans quel état mettre les mandalas. Alizée, elle n'en peut plus. Donc ouais, super contente parce qu'elle est toujours en train d'essayer de piquer ceux de sa grande sœur Enola, hein, que vous connaissez Enola sur les vidéos. Elle, et donc à chaque fois, bah, elle se fait rembarrer parce qu'Enola refuse. Les plus bizarres. Ouais, tiens. Oh, le papillon. Oh, le cheval. Ok, allez, on continue. Nuit étoilée avant la rentrée. Nuit étoilée avant la rentrée. Et c'est quelle lettre? Le N. Et je l'aime, moi. Le N. N. Pourquoi c'est celui-là, le N? D'accord. N, ouais. Oh, oh. Je pense qu'il y a un dirait un coussin. Ah, bah vas-y, ouvre. Oh, bah je... Ah. Il est chou. Une étoile, génial, trop beau. C'est trop sympa. Ouais, il est trop trop mignon. Attends, ah vas-y, enlève-le. Enlève. Ça, ça m'étonnait même pas ça. Elle est toute douce. Elle est trop trop bien. C'est sympa parce qu'on peut rêver des étoiles en fait. Tout à fait, on peut rêver des étoiles. Alors à l'heure à laquelle on tourne cette vidéo, on est encore en vacances dans le sud de la France. Et c'est tout mouillé. Je ne pense pas me tromper en disant que Sindel va la récupérer pour aller dans la tente ce soir. Je vais te la piquer. Voilà. Ah, bon, j'allais vous le montrer. Voilà la jolie petite étoile. Ça va faire trop sympa dans ta chambre parce qu'en plus on est en train de refaire toute la chambre de Sindel, donc ça tombe à pic. Des notes en veux-tu, en voilà. Des notes en veux-tu, en voilà. Pour quelle lettre? Le D, je pense. Oui. D. Ça c'est pas D, voilà. Ok. Elle est un peu lourd, mais comme un cahier. Un peu lourd. Montre-moi un joli petit dépailleté. Ok. Allez, on regarde ce que c'est. Attends. Alors, voilà des petits trucs qui crient sur le stylo. D'accord. Et j'essaie de garder le devant parce que c'est trop haut. Je suis là. C'est trop classe. En plus, ça résonne dans la chambre. Allez-y. Mais il y a quelques années, tu faisais ça toi aussi, hein. C'est quoi? T'as eu des surligneurs pastel, il y en a 4. Ah ouais, c'est, ça c'est des surligneurs classe. Il y a un vert, un rose, un jaune et un bleu. Voilà. Ok. Des stickers. Hop. Attends, j'ouvre le cahier. Oui, d'accord, vas-y, ouvre-le. Attends. Et tu as eu donc un cahier avec des stickers. Oui, c'est ça, c'est bien un cahier avec des stickers. Des ananas, des pastèques, des cerises, des arcs-en-ciel, enfin un peu de tout qui nous rappelle encore l'été pendant la période scolaire. Alors, tu as eu avec ça un cahier de notes, c'est ça. Voilà, tout simple, pour pouvoir écrire tes notes, tu pourras faire tes devoirs dessus. Ou alors tout simplement écrire tes petits secrets, c'est toi qui choisiras pour ton nouveau bureau. Eh ben moi je trouve ça génial. Écrire, colorier, gribouiller. Gribouiller, c'est ça? Oui. C'est pour quelle lettre? Ou ça. Attends. Pour le E. Alors, pour le E, il faut respecter la couleur, par contre. Hein. Oui, ah, il est là. Elle a c'est mis ça? Un point bleu. Ce gros truc, là? Oui. Ok, et toujours avec ces belles petites lettres, elles sont trop belles. Hein. Je vais peut-être les récupérer pour te faire un truc à la maison. Arrête de crier. Mais elle est énorme. Elle est énorme. C'est des feutres, t'es sûr? Montre-moi. Tout parce que moi j'ai l'étiquette devant. Ah oui, en fait il y a l'étiquette partout.
Elle est énorme. C'est quoi ce truc? Il y a quelques fenêtres et il y en a trop qui ne peuvent plus rester en fait. Fais voir, c'est des... Ah oui, tout en haut encore. C'est des quantités industrielles, ça. Montre-moi un peu tout ça là. Il y en a combien là-dedans? C'est écrit 160 feutres Carioca, donc c'est la marque, hein, je pense. C'est énorme. On continue. Licornée, tes cadeaux. Licornée, tes cadeaux. Licornée. Alors c'est le L jaune. Le L jaune. C'est la A. Ouais, c'est celui-ci. Tu nous montres? Oh, c'est magnifique. Je vais te les piquer. Je vais te les piquer. C'est ça, c'est des boîtes pour confectionner toi-même tes cadeaux. Enfin, pour confectionner, pour empaqueter toi-même tes cadeaux. Alors voilà, je vous montre le petit set que Cindel a eu pour licorner les cadeaux. Alors ce sont des boîtes, je vais les poser, ce sont des boîtes pliables. Hein. Vous savez, vous connaissez ce genre de petites boîtes. Et alors ça, par contre, je ne sais pas ce que c'est. On dirait du... Ah non, c'est aussi une boîte en fait. Il y a trois sortes de boîtes, si je ne me trompe pas. On découvrira en ouvrant, hein, Cindel. Il y a quatre boîtes. Ouais, quand oui. Tu devras faire tes petits trucs, soit du papier, soit deux, des boîtes. Trois, quatre. Ah oui, bah, je pense qu'il y a tout ça en fait. Non, là, six. Il y en a trois et là, il y en a trois. Je sais pas. Ah, ouais, on verra, on découvrira. Donc, bah, merci beaucoup encore, Swan. Le rangement, c'est important. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est celui-là au moins? Oui. Ouais. Ah, d'accord, ok. Qu'est-ce que c'est que c'est que ça? Le rangement, c'est important. Allez, Cindel. Allez. Chut, arrête de crier. Cindel est toujours surexcitée quand elle fait les soins. Magnifique. Oh là là, montre un peu à Alizée aussi. À la trousse. Oh, la trousse. Trop beau. Ça sert à ton truc. Montre-moi. Hop, montre-moi. Ça sert à ton truc. Attends, et tu sais que t'as acheté un... Regarde. Alors, je vous montre une trousse pailletée à sequins comme ça, multicolore. Tiens, je te la laisse découvrir. Ah, il y en a une autre. Oh, regarde. C'est en forme de queue de sirène. D'accord. Alors, attends, je les montre. C'est en forme de queue de sirène et là, c'est encore à sequins. Bah tiens, ouvre celle-là, toi. Allez-y, ouvre la queue de sirène, du coup. Alors, Cindel déballe la multicolore, Alizée déballe la queue de sirène et une troisième trousse à customiser, comme ça. Je vous montre en détail parce que là, du coup, avec les filles, c'est parti un peu en cacahuète. Allez, on passe au cadeau suivant. Et pour finir, le bonus. Ok. C'est celui-là, d'accord. Et ça, bah, je ne sais pas ce que c'est, du coup. Bah, donc... Je pense que c'est notre enveloppe. Bon, allez, on va voir. Vas-y, ouvre celui-ci. Alors, montre-nous. C'est quoi? Alors, d'un côté, on a un petit compas MAPED. Apparemment, c'est Agility. Ouais, donc, ça bouge. Hein. Je connais pas ce système-là. Donc, on va découvrir avec Cindel. Ah, pour que ça bloque contre les... D'accord, donc apparemment Anaë connaît. Anaë, c'est la copine youtubeuse de Cindel. Toi, de ton côté, c'est quoi Cindel que tu as eu? Un marqueur à surligneur. Tu as eu. Mais non, regarde. En fait, c'est un surligneur, mais tu as vu ce qu'il fait? En fait, oui. Il fait des petits motifs. Oui, mais... Tu vois, ça fait des petites traces. Oh, comme ça, voilà. On a reçu un bonus à part parce qu'apparemment Swan avait oublié de le mettre dans le colis. Il y a des adresses partout. Ah ouais, il y a des adresses partout. Donc vas-y, ouvre-le et puis on verra bien ce que c'est. Parce que du coup, il n'y a pas d'intitulé. Il n'y a pas de quoi? Il n'y a pas d'intitulé sur le menu. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi? Des ciseaux? C'est des ciseaux spécial gaucher. Regarde bien sur l'étiquette. Est-ce qu'il y a écrit spécial gaucher? Vas-y, ouvre-le. Et on va le tester pour voir si ce sont des ciseaux de gaucher, parce que du coup on a un doute, mais on a galéré à trouver des ciseaux de gaucher, d'ailleurs on n'en a toujours pas trouvé. Hein. Voilà, donc vas-y, essaie-le. Oh, c'est des ciseaux de gaucher! Oui! Ah, un miracle, ça y est, on a des ciseaux de gaucher. Merci Swan de nous avoir trouvé des ciseaux de gaucher, c'était génial. Super! Tu sais même pas comment tu nous sauves.
Bon, bah c'est génial. Allez, Alizé teste aussi, comme ça ce sera deux tests de gauchère. Ça y est, on arrive à la fin de cette vidéo. Alizé est partie, elle est allée se remettre sur la tablette. Voilà, le chien est passé. Qu'est-ce que je voulais dire? Eh ben moi, je remercie Nat et Swan d'avoir joué le jeu. Franchement, c'était un super swap, encore une fois. Mais, oh, mais le chien sort de là. Bon, c'est pas grave, on fera avec Luna. Je remercie Swan et Nathalie pour ce swap parce que franchement, il était trop marrant à faire, trop bien. J'ai vraiment bien rigolé. Sindel aussi, vous avez pu voir qu'elle était un petit peu hystérique. Alizé nous a quitté, elle est partie sur la tablette. Tu fais un petit coucou de là où tu es? Coucou. Voilà. Et puis, ben, les petits copains et petites copines, moi je vous dis à très bientôt. On vous met le lien de la vidéo de Swan sous la vidéo en description. Voilà, et puis moi je vous fais des gros bisous, je laisse Sindel conclure cette vidéo comme d'habitude. A plus, à plus, bisous, bisous. Ah, Luna qui nous tient compagnie. Bon, la vision est pas terrible. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à...